Salut à tous, Albert Pike, je vous en ai déjà parlé, 1809-1891, 33e degré du grand commandeur du rite écossais. Donc franc-maçon et sioniste. Et il a informé le monde dans une lettre sur trois guerres mondiales, deux se sont déjà déroulées, la troisième, voici l'extrait. La troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, retenez bien ça, hein, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris Israël, et Israël, retenez bien aussi, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Voici ce qu'il a dit sur la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit extrait de la déclaration de Benjamin Netanyahou qui s'est déroulée aujourd'hui. Donc, on est le 13 janvier et je vous laisse écouter. C'est juste hallucinant. C'est à tomber par terre. They've had aid workers in Syria, they've kidnapped schoolgirls in Nigeria, they bombed churches in Iraq, they slaughtered tourists in Bali, they rocket civilians from Gaza, and they strive to build nuclear weapons in Iran. Now they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Voilà, moi je suis carrément d'accord avec l'auteur de cette vidéo. Là, Benjamin Netanyahou nous a dit clairement, il faut se battre contre les forces de l'islam. Il n'a pas dit islam radical, il n'a pas dit terrorisme, il a dit islam. C'est hallucinant, c'est juste hallucinant. Maintenant, je vais vous demander une petite chose à tous ceux qui regardent cette vidéo, faites-la tourner, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important. Faites tourner cette vidéo, montrez aux gens que tout était déjà prévu et que là on va s'engager dans un conflit mondial contre les musulmans, tout est fait exprès. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de mort, il y a eu des morts et c'est fait exprès, c'est pour vous choquer, c'est pour vous faire peur. Là on va rentrer dans une troisième guerre mondiale et personne s'en rend compte. Alors réveillez-vous les Français, réveillez-vous les humains de ce monde, s'il vous plaît faites tourner cette vidéo et montrez à tous ceux que vous pouvez que tout était déjà prévu par Albert Pike, le sionisme et la franc-maçonnerie avait déjà tout calculé. Ce qu'ils veulent, c'est nous faire mourir dans une guerre atroce. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je vais le dénoncer au point. Je vais faire ce que je peux pour montrer la vérité. Mais s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo. Montrez aux gens que tout était prévu. Voilà, je vous remercie. Salut à tous.